cette remise de prix, même si je dois partir pour les États-Unis dans quelques instants, je tenais absolument à participer à cette remise de prix. Je remercie aussi le président de Thales, Patrice Kane, d'être présent parmi nous et de nous faire l'honneur de sa présence. L'année dernière, je vous avais parlé de la lecture et de la littérature française. J'ai regardé un peu le climat politique actuel, la tentation qui existe du repli sur soi, du nationalisme. Et donc je voudrais vous faire cet après-midi l'éloge de la littérature étrangère. Et j'insiste sur ce mot d'étranger, qui ne devrait pas être un gros mot dans la bouche de quelques Français que ce soit. La littérature est aussi une littérature étrangère. Et après tout, la littérature française est aussi une littérature étrangère pour le reste de la planète. Ne l'oublions jamais, on est toujours l'étranger de quelqu'un d'autre. Pourquoi l'éloge à la littérature étrangère ? Parce que si la littérature vous ouvre un monde, la littérature étrangère, elle, vous ouvre de multiples mondes, des mondes infinis. C'est même pour moi peut-être la seule manière d'avoir accès à des mondes qui sinon nous resteraient toujours secrets. Si vous voulez savoir ce que c'est que la vie et l'âme intime d'un dictateur colombien qui approche de la fin de sa vie et qui cherche à partir de Bogota et de la Colombie pour gagner les rivages de l'Europe, lisez « Le général dans son labyrinthe » de Gabriel Garcia Marquez. Et vous verrez quel voyage vous ferez. Si vous voulez savoir ce que c'était que d'embarquer sur un trois-mâts à la fin du 19e ou début du 20e siècle, lisez « Typhon » de Conrad et regardez ce que c'est que de se retrouver au milieu d'une tempête, au milieu de l'Atlantique, dans un navire aussi fragile que ceux qui existaient à l'époque. Si vous voulez savoir ce que c'était que la vie d'une femme à l'époque victorienne, lisez les romans de Virginia Woolf. Si vous voulez savoir comment est-ce que l'on vit dans un sanatorium au début du XXe siècle, et comment on y rêve, et comment on essaye de se reconstruire, et comment on essaye de fuir la maladie tout en cherchant la maladie et la découverte de soi, lisez La montagne magique de Thomas Mann. Si vous voulez savoir quels étaient les rêves, les fantasmes d'une femme russe du XIXe siècle, et si vous voulez faire la comparaison avec une Emma Bovary française, lisez Anna Karenine de Tolstoï. Et si vous voulez, de manière plus contemporaine, savoir comment vit un jeune Norvégien dans sa vie quotidienne avec sa femme, ses enfants, son métier de professeur, et la mort de son père, et son combat contre l'alcool et contre l'alcoolisme, lisez ce merveilleux roman sur plusieurs tomes et des milliers de pages, qui vous emportera très très loin dans le rêve, dans la réflexion et dans une forme de délire littéraire. Lisez « Mon combat » de Carlos Knausgaard, qui est probablement l'un des plus grands écrivains contemporains et l'équivalent norvégien de Houellebecq. Lisez de la littérature étrangère et lisez en ayant conscience que vous ne la lirez jamais. C'est ça qui est merveilleux dans la littérature étrangère. Car si vous ne la lisez pas dans la langue d'origine, sauf à parler le russe, le chinois, le japonais et d'autres langues, vous n'irez jamais vraiment un livre en langue étrangère et il gardera toujours une part de mystère et une part de trahison. C'est ce que disait Umberto Eco sur les traducteurs, traduttore, traditore, traducteur, traître. Tout livre de littérature étrangère traduit est un livre trahi. Alors du coup, pour me faire plaisir, comme je pars aux États-Unis dans quelques instants, je vais vous lire un extrait d'un livre en allemand. Personne ne va rien comprendre, puisque plus personne ne parle l'allemand ou presque, en France. Sauf Sylvain Maillard, que je remercie de sa présence, mais ça n'a pas d'importance. Vous allez juste écouter la musique, qui est beaucoup plus importante que le sens dans un livre. C'est un extrait d'un des plus beaux livres allemands qui s'appelle « Les cahiers de Malte » qui ont été écrits par Rainer Maria Rilke. Et il parle de la mort d'un des personnages du livre. Et la mort de ce personnage s'exprime dans le livre. Et donc Rilke dit de la mort de ce personnage qui s'exprime et qui vient « Verlangte getragen zu werden »« Verlangte das blaue Zimmer »« Verlangte den kleinen Salon »« Verlangte den Saal » Verlangte die Hunde,
verlangte, dass man lache, spreche, spiele und still sei und alles zugleich. Verlangte, Freunde zu sehen, Frauen und Verstorbene und verlangte, selber zu sterben, verlangte, verlangte, verlangte und schrie. Et vous entendez bien qu'à la fin, il se passe quelque chose, que la sonorité change. Si vous le traduisez en français, ça donnait que la mort de ce personnage exigeait d'être porté, exigeait la chambre bleue, exigeait le petit salon, exigeait la grande salle, exigeait les chiens, exigeait qu'on rit, exigeait qu'on parle, exigeait qu'on joue, exigeait qu'on se taise, exigeait tout cela ensemble, exigeait de voir des amis, exigeait de voir des femmes, exigeait de voir des morts, exigeait tout cela ensemble, exigeait, exigeait, exigeait et criait. Mais entre exigeait et criait, et verlangte und schrie, il y a toute la trahison dans une syllabe. Car le schrie est un cri qui est le cri de la mort qui vient, et qui est ce que vous apporte la littérature étrangère, c'est-à-dire entendre un écho d'un monde différent que vous n'auriez pas entendu dans votre propre langue. Alors il est regrettable de se dire qu'on ne saura jamais quelle est la musique réelle de Mishima, de Kenzaburo Oe, des grands écrivains japonais, de Tanizaki ou des Russes quand on ne les lit pas, mais ça vaut le coup de se plonger dans la littérature étrangère pour entendre ce qu'on n'entendra jamais ailleurs et comprendre ce qu'on ne comprendra jamais ailleurs. Je note au passage d'ailleurs à propos de trahison et de mystère, je ne sais pas si vous le savez, mais que le grand traducteur de l'œuvre de Marcel Proust en anglais s'appelait Charles Kenneth Scott Moncrief. Il était évidemment anglais, spécialiste de littérature, mais il était aussi membre de l'armée britannique et surtout membre du MI6. C'était un espion. C'était le James Bond de la traduction en français. C'est lui qui a trouvé ce titre merveilleux pour À la recherche du temps perdu, Remembrance of Things Past. Donc voilà pourquoi je vous fais l'éloge de la littérature étrangère. Elle vous ouvre des mondes et pas un seul monde. Elle vous permet d'entendre et de comprendre des choses que vous ne comprendrez jamais grâce à cette trahison de la langue et à cette sonorité de la langue que vous n'auriez jamais pu entendre ou voir ailleurs. Elle nous permet aussi, et je termine par là, de comprendre l'autre et de ne pas rester enfermé en soi. C'est pour cela que je crois profondément que la France est un pays qui a la vocation en soi de l'étranger. Parce que notre goût de l'universel nous porte vers l'autre, nous porte vers ce qui est différent de nous, nous incite à essayer de comprendre quelles sont les histoires, les mémoires de ce que nous ne sommes pas nous-mêmes. Jamais je n'aurais compris ce qu'aurait pu être l'esclavage aux États-Unis si je n'avais pas lu Faulkner ou lu Toni Morrison. Et personne ne m'y aurait jamais donné accès s'il n'y avait pas eu la littérature pour mettre des mots sur ces plaies, du sel sur des plaies à vif, et me les montrer devant moi et me dire « ça existe, regardez, ça existe ». Et les mots de ces écrivains étrangers, les mots de cette littérature étrangère vous jettent en plein visage un monde qui n'est pas le vôtre et une humanité qui n'est pas la vôtre, et votre propre humanité en sort plus grande et plus forte. Jamais je n'aurais pu comprendre ce que c'était que la vie d'un juif orthodoxe dans le New York du XXe siècle si je n'avais pas lu Philippe Roth. Jamais je n'aurais pu comprendre ce qu'était la vie d'une femme seule sous l'époque victorienne si je n'avais pas lu Virginia Woolf. Et jamais, jamais, ni vous, ni moi, nous ne pourrions comprendre ce que c'est que le désarroi, la peur, l'angoisse d'un enfant de 10 ans qui est mis dans une cabane en plein été, une cabane en bois, dans les grandes plaines hongroises, en 1940, parce qu'il est juif et que les nazis ont décidé de le déporter. Si vous n'aviez pas lu l'un des plus beaux textes de la littérature européenne du XXe siècle, qui est Kaddish pour un enfant qui ne naîtra pas, de l'écrivain juif hongrois Imre Kertész. Et ce n'est pas un hasard. Hélas, si Imre Kertész a été retiré du socle commun de connaissances de la littérature hongroise. Il n'y a pas de hasard là-dedans. Il n'y a pas de hasard dans ce retrait. Il n'y a pas de hasard dans les choix que l'on fait des livres qu'on lit et du goût que l'on a pour la littérature étrangère.
Il n'y a pas de hasard si Imre Kertész a été retiré de ce socle de connaissances des Hongrois. Et il n'y a pas de hasard si l'un des livres français les plus célèbres au monde ne s'appelle pas « Le français », mais « L'étranger » de Camus. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre, pour ce cours accéléré d'allemand.